Et salut à tous, c'est Bobon Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci, pas sur nouvel épisode podcast, mais cette fois-ci je vais rencontrer aujourd'hui un babouin et voilà vous aurez reconnu je pense Chimbot, voilà c'est de la même catégorie que PewDiePie, Bot et Eevee et Boybot, mais je ferai pas de vidéo là-dessus parce que je le trouve pas intéressant. Et du coup, voilà, j'ai déjà fait une vidéo sur PewDiePie et sur Eevee. Vous les regarderez si vous voulez. Mais aujourd'hui, ce sera du Chimbot. Et du coup, voilà. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite ce petit babouin qui est vraiment incroyable. Le babouin! Du coup, je vais vous mettre le chat en grand écran. Voilà. Du coup, c'est parti. Alors, on va commencer par dire bonjour. C'est la moindre des choses. Voilà. On va mettre bonjour. Alors, il veut que je parle français, mais je ne pas... Enfin, je ne sais pas ce qu'il a trop dit. Je sais pas ce que ça veut dire, Zats, je pense. Mais il a dit français, je sais pas pourquoi. On va lui demander s'il peut parler français. Peux-tu... Merde, j'ai mis un Y. Peux-tu... parler français? Les... français. Voilà, tac. Voilà. What? J'ai rien compris. Elle a dit non. Je sais pas, sérieux. On va lui mettre s'il te plaît. STP. Enfin, je sais pas s'il va comprendre, mais bon. Ouais, bah je sais pas comment ça s'écrit normalement, s'il te plaît. Alors... je pense que c'est comme ça. Te plaît. Ah voilà, enfin elle parle français. Du coup elle dit tu fais pas le lien entre toutes les phrases déjà écrites. Bah en même temps je te disais de parler français, hein, c'est normal. Je te dis c'est normal. Je te demandais de parler français. Non, je vois au pire, je vais pas lui répondre. Je vais lui dire si... je vais lui dire de sa... comment elle s'appelle? Attendez, je vais vous... Merde. Je vais vous montrer un peu le chat, parce que vous voyez pas grand-chose. Du coup, voilà. Alors, comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Pour le moment, on va la vouvoyer, parce que c'est pas poli de tutoyer quelqu'un alors qu'on vient à peine de le rencontrer. Tu... voilà. Ah, c'est peut-être parce que j'ai fait une faute d'orthographe. Alors, comment... pourtant, si, c'est comme ça que ça s'écrit, t'appelles, non? Comment t'appelles-tu? Bah si, c'est comme ça s'écrit. Ah, il y a peut-être deux L, je pense. T'appelles-tu? Voilà, c'est normal, c'est parce que j'ai fait une faute. Oh oulala, elle s'appelle Héloïse Letissier, mais je suis surtout comme sur le nom de Christine. Mais pourquoi t'as deux noms, en fait? Pourquoi t'as deux noms? Attendez, je vais vous monter le chat, parce que je sais pas pourquoi il se descend tout seul. Et pourquoi... voilà. Je vais vous remonter, voilà. Tac. Mais pourquoi... pourquoi tu as deux noms? Non. Putain, c'est galère d'écrire à une main. Je vais recadrer mieux. Oh, mais elle répond pas. C'est quoi ce problème là? D'accord, j'ai peut-être fait une faute d'orthographe, peut-être. Faut peut-être mettre un S à... non, je sais pas. Wow, elle est pointilleuse pour le... pour les fautes d'orthographe, hein. Elle répond pas si tu fais une faute, hein, vache. Alors pour ceux qui savent, qui aiment pas trop écrire, bah, je vous déconseille ça, hein, parce qu'elle aime pas qu'on fasse des fautes.
What the fuck? Mais de quoi elle parle? Jenny dit qu'elle a le Death Note, donc elle peut me tuer. Alors pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Pourquoi tu changes de sujet? De sujet. Oh, je m'embrouille, c'est abusé. Pourquoi tu changes de sujet? Oh, puis je sais pas écrire, c'est abusé. Pourquoi tu changes de sujet? Mince. De change de sujet. Je vois pas à quoi c'est le rapport, mais bon, d'accord. Elle est bizarre, cette babouin. Il est bizarre, hein, cette babouin. C'est un peu bizarre. Alors, on va lui demander si elle aime la salle. Aimes-tu la salle? Parce que la salle, c'est un babouin, hein, tout le monde le sait. Ah mince, il n'y a pas de S à la salle. Elle dit qu'elle est la salle. What the fuck? Elle, tu... What the fuck? Tu es la salle? Tu es la salle? Non, c'est pas possible, la salle, pas comme ça. C'est pas possible. On va mettre un point d'interrogation pour qu'elle comprenne. Ah non, faut peut-être pas mettre de... Faut mettre un espace après, je crois. C'est vraiment pointilleux avec les fautes d'orthographe. Hein. Ah non. En fait, elle dit qu'il y a une faute. Bon, c'est pas grave. Ok, elle se met à parler espagnol maintenant. Oh. Bon, je pense qu'on va se laisser là-dessus parce que c'est n'importe quoi. Du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Ou un pouce rouge si elle vous a pas plu, et me dire pourquoi en commentaire, et à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, tchou les foufous!